Ashley Spencer n'a jamais hésité à venir. Hein. Elle est au couloir numéro 4, l'américaine, et à Mantle Mancho encore moins, qui est, Muriel, disons-le, la meilleure spécialiste mondiale. Oui, hein. La favorite de la distance. Vous la connaissez un peu à Mantle ou pas? Oh, je l'ai croisée, oui, à plusieurs reprises, oui, effectivement. Regina George, la Nigériane, qui a mis son rouge à lèvres et son petit piercing sur le côté. Couloir numéro 6, Blanca Razor, la Roumaine, dans un style un peu plus épuré au couloir numéro 7. Ouais, très jeune. Très jeune, oui, ouais. Elle est de 94, Blanca Razor. Elle a donc 19 ans. Patricia Hall, la Jamaïcaine à l'extérieur. Il y aura également dans cette première demi donc Rizova, la Russe, qui nous a fait une très grosse impression en série, au couloir numéro 3. Bazzoni, l'Italienne au 2, et Erunga, la Namibienne, au couloir numéro 1. Les deux premières qualifiées plus les deux meilleurs temps. Muriel, on peut penser donc à Mantle Mancho et peut-être Rizova, parce que elle a impressionné en série et elle court chez elle et je pense que ça aide énormément. Regardez, le stade est bien rempli. Tout à l'heure, il y a eu la première médaille d'or pour les Russes avec Alexandre Ivanov. Et maintenant, les championnats sont véritablement lancés. À Mantle Mancho, couloir numéro 5. Ashley Spencer, couloir numéro 4, juste derrière elle. Et puis Rizova, que le réalisateur a oublié un petit peu, au couloir numéro 3. Elle est partie vite, Rizova. Elle est partie vite parce qu'elle a repris déjà quasiment Spencer. Mancho qui fait le travail comme d'habitude. C'est une sorte de rouleau compresseur à Mantle Mancho du Botswana. Et Rizova qui est pour l'instant très fréquente, Stéphane, qui est bien dans l'allure. Ah ouais, elle est chez elle, là, elle est galvanisée par le public. À l'extérieur. Et elle est dans le rythme de Mancho. Hein. À l'extérieur, Patricia Hall est bien partie aussi, mais Mancho est en train d'écraser la course là. Ouais, Rizova qui marque le pas, mais c'est surtout Mancho qui passe la surmultipliée maintenant. Attention, Rizova qui va revenir peut-être, mais Mancho, impressionnante. Regardez le placement de la Botswanaise qui remporte cette première demi de toute une classe devant Rizova qui est complètement à l'arrêt. Et la différence, elle se fait. On voit le bassin de Rizova qui commence à descendre au fur et à mesure. Les genoux qui fléchissent à l'impact, alors que Mancho est très très forte musculairement, elle résiste à l'impact. Et ce qui